Si l'on prend parole aujourd'hui, vous vous en doutez que ce n'est pas par hasard. Si vous avez marqué l'histoire ces quelques dernières années, cette année, c'est l'histoire elle-même qui est marquée d'une toute nouvelle épreuve. Une épreuve sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Aujourd'hui, plus que tous les jours de l'année encore, vous vous seriez surpassé. Vous auriez été fort, nombreux. Et c'est main dans la main que vous auriez affronté toutes les épreuves sur votre chemin. Que vous nous auriez montré encore une fois de quoi vous êtes capable. C'est aujourd'hui qu'on aurait pu admirer sur vos 200 têtes de vainqueurs ces sourires, ces larmes de joie. Malheureusement, la situation actuelle nous empêche de vivre cette journée tant attendue à vos côtés. Nous profitons donc de ce jour pour vous dire à quel point nous sommes heureux d'être avec vous tout au long de l'année, que nous sommes fiers de vous et que c'est sans aucun doute que vous auriez remporté cette 5e coupe d'affilée. Ne soyez pas triste. Gardez toute cette motivation, cette force qu'il y a en vous, cette rage de vaincre, ce mental pour que l'année prochaine, vous fassiez votre retour, ce retour de héros. Car qui je suis ? Continuez d'être de belles personnes forgées de votre histoire. Battez-vous comme des mensch, en gardant en tête que vos adversaires sont avant tout vos amis et qu'il n'y a rien de plus beau qu'une victoire honnête. Car qui je suis ? N'oubliez jamais d'où vous venez. Soyez fiers de vos valeurs, fiers de vos couleurs. C'est elles qui vous feront avancer plus loin. Car peu importe la situation, nous sommes et resterons à jamais un mouvement de vainqueurs. Car qui je suis ? L'année prochaine, la victoire sera deux fois plus belle. Vous serez deux fois plus fort, deux fois plus prêt. Car le héros qui sommeille en vous n'aura attendu qu'une seule chose.